Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de designer un peu cette zone-là, la zone européenne, sachant qu'on a uniquement 4 animaux à mettre dedans. Ce serait bien qu'ils nous sortent un DLC sur les animaux d'Europe. Je sais pas s'il y en a beaucoup, hein, des animaux originaux en Europe. Mais en gros, on a le loup, le renne, donc qui peut être aussi en Amérique, hein, mais bon, on va le mettre en Europe parce qu'il y a plus, y a plus d'animaux sur le continent nord-américain. Les flamants roses, et il y a aussi, y en a un dernier, le scarabée sacré, pourquoi pas, on le mettra, on verra. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup de trucs en Afrique, mais bon, ça fait une bonne partie de l'Europe quand même, donc ouais, on pourra le. Pourquoi pas le mettre par là? Par exemple, dessous, là, sous notre téléphérique, là, la gare. Le Pan. Ah non, le Pan, c'est en Inde. Le Pan, c'est en Inde. C'est lequel déjà? La loutre, c'est la loutre géante. Celle-là. Ah non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Ah zut, c'est laquelle? Je l'ai trouvé tout à l'heure. Le phoque gris. Voilà, c'est lui. Le phoque gris, donc il va falloir faire un bâtiment, voilà, qui vit au nord de l'Europe. Et un petit peu aux États-Unis, mais. En Amérique, mais on va le mettre en Europe du coup. Donc beaucoup d'eau, un peu de terre. Donc là, il va falloir réfléchir à créer un bassin du coup, parce que la loutre, elle a besoin d'eau. Cette zone-là, va s'y prêter plutôt bien, je pense. Du coup. Le problème, c'est que je sais pas trop comment je vais faire avec mon téléphérique là, qui va presque plus m'embêter qu'autre chose. Peut-être qu'on pourrait avoir un grand bassin là. Là, on pourrait avoir des pierres qui donnent au-dessus. Alors, on va commencer à modéliser ça. Tiens, alors à modeler, pardon. Modéliser, c'est autre chose. Hop, alors ces trucs-là, on va les mettre. Là-bas, je sais pas du tout ce que je vais faire ici. Sûrement une zone. Je ne sais pas. J'ai pas d'idée. Je n'ai point d'idée. Alors là, on va éditer ce truc-là déjà, première chose. Ah, peut-être pas. Si, là, ça descend, ça me plaît pas. Ça descend, ça me plaît pas. Modifier le tracé. Alors là. Là, est-ce que je peux sélectionner plusieurs? Si je fais comme ça. Ok, est-ce que je peux le surélever là? Ouais, je peux, ouais. Je peux tout à fait surélever le tout. Ça me semble pas mal comme ça. Je sais plus trop ce que je m'étais dit, moi, pour la zone Europe. Là, j'avais dit que je ferais un pont, tout ça, mais je sais plus dans. Je sais, faudrait que je reprenne mes vidéos parce que j'avais dit que. Je m'étais dit quelque chose, hein. Je pense pas que je m'étais dit que la zone Europe ferait tout ça. Avec si peu d'animaux. C'est bien qu'ils fassent un DLC sur l'Europe. On laissera un peu de place, hein, au cas où. Parce que c'est vrai que l'Europe, c'est pas une zone où il y a beaucoup d'animaux. Europe-Sibérie, hein. Enfin, Russie, tout ça. Asie, si, ils commencent à y en avoir maintenant. Ils ont fait un DLC sur l'Asie du Sud-Est. Bon, il y a les tigres, il y a pas mal de choses. En Asie. Et les tortues, on les a pas mises. On fera un truc avec les tortues. Donc en attendant, on va faire un truc très. Avec beaucoup de bâtiments. L'idée, du coup, ce sera peut-être d'avoir une sorte de petit centre-ville par ici, là. Avec pas mal de bâtiments
de bâtiments. On fera des espèces de trottoirs, peut-être, on verra. Je peux essayer de faire quelque chose de sympa. Oula, j'ai très très envie de bâiller là. Je suis un peu fatigué. Ici, on pourrait peut-être faire une zone boisée avec des plantes, tout ça. Quitte à, si jamais il y a un DLC, le réserver pour un autre animal plus tard, vous voyez. Donc du coup l'idée, là on aurait nos otaries. C'est les otaries, hein, c'est ça, oui. Les otaries. Non, c'est pas otaries. Phoque. Les phoques. Les phoques. Ensuite, donc on a le renne. Pareil, c'est très Nord-Europe, Nord-Américain, mais on va le mettre en Europe. Oh, pardon, et voilà, je baille. Je baille, je suis désolé. Il y a ce bâtiment qu'il va falloir qu'on finisse là aussi. Mais du coup, je sais pas trop où il va s'arrêter, donc c'est un peu dommage. Je peux pas trop créer ce que je veux. Ça m'embête. Bon, c'est pas grave. Là, on va faire terrain déjà. On va aplanir ici. Là, voilà. Clac, comme ça. Déjà, ce serait l'idée d'avoir quelque chose pour les otaries. Là, peut-être avec des espèces de petits promontoires pour qu'elles puissent venir. Ça pourrait être marrant. Pourrait être marrant. Puis là, les gens pourraient les voir d'au-dessus. Là, ce serait pas mal. Est-ce que c'est... J'ai encore dit otaries, non? C'est des phoques. Est-ce que c'est un animal craintif? Relation avec les humains neutre. Bah neutre, écoutez. Et donc, l'idée, ce serait peut-être d'avoir le bassin par là. Avec un mur devant. Ah, il aurait fallu que je finisse ce bâtiment quand même, ça aurait été bien. Alors, attendez, là on va faire le bassin genre comme ça. Voilà. Donc ça, ce sera le bassin des otaries. Et donc là, on aura notre bâtiment qui va continuer comme ça. Alors notre bâtiment. Ce serait bien d'avoir une idée d'à quoi il va ressembler quand même notre bâtiment. Ah là là, est-ce que je peux... Est-ce que je peux dupliquer tout ça? Est-ce que c'est possible de faire ça rapidos? Là, si j'édite cette partie là, donc là on est d'accord, je prends tout ça, je fais CTRL D, je viens le foutre ici. Hop, voilà. Là ensuite je prends les toits. Ah, c'est pas les mêmes bâtiments, ok. C'est pas grave, ça je fais CTRL D. Hop, je viens le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je prends tout ce qui est en dessous par là, à ce niveau-là. Pareil, CTRL D. Ça m'a pas pris les trucs avec? Ils sont bien dans le même bâtiment, ouais. Ah oui, d'accord, alors je vais prendre ça. On va prendre ça, ça, ça. Est-ce que ça c'est dans le même bâtiment? Oui. Hop, 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 hop. Ah, c'est pas dans le même bâtiment. Ah. Non. Ça y est. Attendez, on va faire comme ça. Clac, voilà. Tac, tac. Tac. Ça, c'est un autre groupe. Ça, c'est dans ce groupe-là. Ok, là, on a bien ces trucs. On a bien ça, ça. Là, j'ai pas besoin de ça, par contre. Ça, je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas.
ça non plus. Ah! Zut. On recommence. Fantastique, n'est-ce pas? Putain, faut faire hyper attention. C'est super relou. C'est super relou. Là, c'est pas le même groupe, là, c'est pas le même groupe. Ça, je peux y prendre ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, c'est pas le même groupe. Ça, c'est pas le même groupe. Je peux prendre une partie, là, à la limite. Tout ce qui est là. Voilà. Tout ce qui est ici aussi. Ça, ça fait partie du même groupe, mais pas ça. D'accord. Ça, j'en veux pas. Voilà. Ça, j'en veux pas non plus pour le moment. Ça non plus. Ah! Ça non plus. Ça non plus. Hop, hop. Voilà, ça c'est pas mal. Contrôle D. Ok, clac, 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 comme ça. Voilà. Là, on est bon. Ah non, j'aurais pas dû prendre ça. Je m'agourais. Je m'ai trompé. Voilà. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Désolé, j'ai éternué. J'ai eu le temps de couper le micro juste à temps, je crois. Ça, pourquoi on a ça? Je ne sais pas. Hop. Bon, après, on verra comment on fait. Il va juste falloir prendre l'escalier aussi devant. Alors si je prends ce groupe là, qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe là? Oh, ça c'est deux groupes, c'est pas possible. Alors attendez, on va quitter le groupe. Alors là on a... Combien on a d'objets là? Si je fais I, que je prends genre ça. Oh. Je prends ça. Ça, je prends ça, je prends ça, ça, ça. Oh là, ça c'est des objets à part. Ça, il me faudrait ça aussi, ça aussi. Il faudrait ça. Il faudrait ça et puis ça. C'est sélectionné là ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Voilà. Ça, je l'ai pris. Non, je ne le veux pas. Voilà. Ok. Je peux pas y dupliquer. Ah. Quelle horreur. On va faire ça. Hop. Oh non, c'est nul. C'est pas une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Nom de l'objet. Escalier 1. Créer le plan. Vous devez signer une description. Escalier pour la gare de télé. Féerique classique. Créer le plan. Moins une étiquette. Je m'en fous. Environnement. Scène. Ok. Plan. Mes plans. Clac. Voilà. Bon, et bien maintenant, est-ce que je peux le coller histoire d'avoir un
Un truc, non. Je sais pas comment il fait l'autre là-bas. Ah ouais, en plus il rentre dedans, zut. Ta-ta-la-ta-la-ta. Alors lui c'est facile, le mur il s'arrête contre. Quelque chose comme ça, non? Là on rentre un peu dedans, non, on fait rentrer 1, 2, 3 à peu près. Et là il a l'air de s'arrêter, ouais, un tout petit peu dedans. Il est centré comment dedans? Ouais, il est presque aligné avec le. Avec l'autre truc. Oh là là. Oh mince. Oh, putain. Ok, on va faire comme ça alors. On a quelque chose comme ça à peu près. Ouais, non, là ça dépasse vachement. Là ça dépasse vachement, donc ça dépasse un peu. Alors en hauteur, on dépasse de 1 mm, on va dire. Là on dépasse de 5 mm et là on est à 1 cm. À vue d'œil. Hein. Ok, donc là on est bon, là on est bon. C'est dans ce sens-là qu'on n'est pas bon. Voilà. C'est pas mal. En termes de hauteur, on est peut-être un peu trop. Voilà, c'est bien là. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Là, pour faire un escalier qui descend. Peut-être avec une façade murée là. Là, on fera un escalier qui descend aussi sur une rue en dessous. Donc là, l'idée, ce sera d'avoir un mur à ce niveau-là. Je suis aligné, hein, on est d'accord, ouais, c'est bon. J'ai peur de ne pas être aligné. Ok, donc là on est déjà dans le sol. Fantastique. Hop. Ok. On va être aligné comme ça. Voilà, on verra comment on fait après. Ok. Là, on y décorera tout ça, hein, plus tard. Hein. Je verrai plus tard comment j'y décore. C'est juste pour avoir une idée du bâtiment. Il faudra que je termine tout, mais voilà, c'est juste pour me donner une idée du bâtiment. Il manque quand même encore pas mal de choses. Ok. Donc là, l'idée, ce sera d'avoir une rue ici. Peut-être qu'on pourrait faire commencer à faire des espèces de trottoirs. Sachant que notre voie piétonne, ce sera la route et on aura des trottoirs autour. Ouais, non, c'est pas bien malin. Ouais, non, on va pas faire de trottoir, ça va être bizarre. Ce sera bizarre d'avoir des trottoirs. Alors là, du coup, terrain. Aplanir comme ça, clac clac clac, voilà. On se met à peu près plat ici. Donc là, l'idée ce sera d'avoir un truc droit qui file là-bas avec du coup un bassin vitré là sur le bas des otaries. Après, on pourrait avoir un bâtiment ici qui donnerait une espèce de petite terrasse sur les otaries encore. Les phoques. Je vais y arriver, hein, les phoques, pas les otaries. Ok, donc là l'idée, ça va être d'avoir une allée qui va ressembler à quoi? En pavé, c'est quoi les pavés? Les pavés, c'est pas mal hein, pour ce style de. Par contre, hein, s'il vous plaît,
Pourquoi c'est pas de l'herbe courte, le terrain par défaut? Qu'il y a partout? Vous m'expliquez ça? Pourquoi ils ont mis de l'herbe longue partout? Pas possible ça. Ça c'est pas mal, hein. Bon un truc 10 mètres. Hein. Ça c'est pas mal du tout. Hein. Les pavés comme ça pour un truc moderne. Pour un truc classique justement. Alors, aligné. Ah ouais, par contre, on n'est pas très cool là. Aligné sur la grille. Ouais. Ouais, on n'est pas top top. Hein. On n'est pas top cool. Si je mets un truc là, ça fait un truc qui vole. Hein, ça, ouais, voilà. Ok, attendez, on va annuler ça. On va prendre le terrain. On va faire sculpter. Si je fais ça. Ah, ça marche, c'est fantastique. Ce jeu est fantastique. Ce jeu est trop bien fait. Je vais m'aplanir un peu partout là, au même niveau que ça. Comme ça, j'aurai ma rue nickel. Ok. Ok, ok, donc là... Ah oui, je voulais faire une espèce de grille aussi. Ah, peut-être qu'on la fera là-bas, la grille, en sortie. Parce que j'avais trouvé des super plans. J'ai trouvé des super plans classiques, hein, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça, c'est quoi, ça? Déjà, je peux pas le mettre? Je sais pas, il doit me manquer des choses. Classic staff building. Non, ça, c'est pour les... Voilà. Arctique. Non, il n'y a pas beaucoup d'animaux de l'Arctique, non? Il y a la panthère. Il y a le renne, mais bon, du coup, voilà. On fait sur l'Europe. On fera peut-être pas de thème comme ça. Il y a des pingouins, je crois. Il y a l'ours polaire, évidemment. L'ours polaire. Le mouflon, pourquoi pas. Le manchot, le pingouin, le manchot royal. Bon, on pourra faire une petite zone, le loup arctique aussi. Ouais, ouais, il y en a certains quand même. Hein. Il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-uns. Ouais, on pourra faire une toute petite zone. On remettra des rennes. On pourra remettre des rennes. Alors, donc du coup, là, les allées... Aligné avec la grille ici. Ah, et par contre, ça fait pas des allées de 10 mètres. Donc là, il faudra que notre escalier il fasse comme ça. Là, c'est quoi? C'est U? Non. C'est pas U. Attendez, faut que je reprenne la section de la grille. Ouais, voilà, c'est ça. C'est U. Ok. Par contre, il faut que je prenne 5 ou 4. Non, bon, je vais pas me mettre là. Je veux pas me mettre là, j'ai dit. Mais... Non! Lâche-moi! Ah, je peux pas le mettre de l'autre... Comme ça. Ah, parce que ça fait que 4 de mettre, allez. Non. Allez, sur la grille. Je peux pas mettre plus large là, c'est con, c'est bête. Parce que moi, ma rue, il va falloir qu'elle fasse au moins cette largeur là, voire une de plus même, ouais, voire même une de plus, je dirais. Comme ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, par contre là, c'est pas plat. Non plus. C'est pas super plat ça. Hein. C'est pas super super plat ça. On va se mettre plat vraiment partout, comme ça on sera bien, parce que sinon ça va commencer à me faire des... Oh non, ça me remet de l'herbe haute, mais c'est pas possible. Quelle horreur. Ok, on se met plat partout s'il vous plaît.
Je veux être à ce niveau-là de partout maintenant. Partout ici en tout cas. Voilà. Même là, là. Voilà. Alors par contre, pourquoi là? Ah, parce que j'ai un bâtiment. Ah oui, j'aurais pas dû prendre le WC là. Ah, je me suis mis un petit peu plus haut. Je me suis mis un poil plus haut. Pourtant là, je suis aligné avec le truc. Ouais, je sais pas, bizarre. C'est peut-être mon sol qui descend un peu. Pourtant, on dirait pas. Là, je vais les enlever. Voilà. Hop, on verra comment on fait là. Terrain. Voilà. Et là, normalement, je devrais pouvoir faire un escalier qui monte là. Allez. Là. Un truc comme ça là. U. Voilà. Là, je peux faire un escalier qui monte. En me mettant bien aligné sans que ça parte n'importe comment. Obstruction. Ah oui, l'obstruction, c'est le terrain, non? C'est dégueulasse. On va pas s'embêter plus longtemps. On va virer les trucs. On va mettre ça comme ça. Alors, là, faut que j'enlève ça aussi, là. Hop. On va virer ce terrain. Ce terrain dégueulasse. Voilà. J'ai fait un méga trou horrible. On verra après comment on fait. Alors, allez. Nanana, on reprend. Donc là, non, c'est cela. Donc là, non, on fait aligner sur la grille comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Voilà. C'est ça que je voulais faire. Donc là, par contre, c'est pas le même sol, c'est celui-ci. Là, on se met comme ça. Comme ça. Ok. Après, on reprend celle-là. On désélectionne la grille. Et là, on devrait pouvoir... On peut pas faire un escalier, plutôt. Je voudrais faire un escalier. Sinon, ça va faire dégueu. Si je fais ça marcherait pas de faire ça alors on va faire comme ça. Pourquoi ça me fait un truc rond là? Ah mais c'est pas possible. Ah mais zut, j'ai mis tunnel. On va y arriver. D'ailleurs, là, on pourrait l'allonger un peu, comme ça on s'embêterait moins à choper un truc droit. Ok. Maintenant, on désectionne la grille. On met une... Voilà, comme ça, parfait. Et là, la deuxième longueur, on le met de 5 mètres. Ça marche pas. 4 mètres non plus. 3 mètres non plus. 2 mètres non plus. Non, ça veut pas. Ça ne veut pas. Fantastique. On
va galérer à faire un truc de merde. Ok. Reprenons. Là. On peut venir jusque-là. Ça va faire un escalier hyper raide. Ah oui, mais j'avais dit que je voulais faire des accès PMR. Alors qu'il n'y a pas de PMR dans le jeu. Ha ha! Oui. Bon, ça me gave. Là. Je ne sais pas comment faire. Tiens, je me mets à l'extérieur. Je me le mets là, mon truc. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pourquoi je peux plus le faire là maintenant? Si je me mets genre par ici là. Comme ça. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Puis là, on est bien. Par contre, ça ne peut pas rejoindre ce truc. Comme ça fait une petite montée là, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire la petite montée par ici? Je ne sais pas. Possible, possible. Ah, mais il y a les toilettes après. Bon, c'est pas grave, on va laisser la petite montée là. Comme ça va être très bien. Ça va être très très bien. Petite montée pour redescendre, ça fait dégueulasse quand même. Ben voilà, hein. Non. Par contre, on est au milieu d'un truc. Ça m'énerve. On le fait là comme ça. Hop. C'est compliqué des fois. Quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Oh là là. La 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 la. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je me débrouillerai hors vidéo à faire quelque chose de bien ici. On aura l'escalier là qui va nous ramener. Qui va tomber là, pile poil. Là. Ok. Donc là, on va aligner sur la grille. Hein. De toute façon, je peux pas l'agrandir, ça c'est nul. Donc on va faire notre rue là, comme ça. Une rue bien bien droite. Hop 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 hop. Ok. Si je pars sur quelque chose de 10 mètres là, ça donne quoi? Ouais, c'est pas encore. Oui, parce que ça fait 3 fois 4, 12. 10 mètres, ça en fait un peu moins de 3. Bon. Là, on a nos 10 mètres. Et c'est pas plat, j'ai l'impression. Alors, tout. Non, c'est le terrain que je voulais. Voilà.
ici là. Voilà. C'est une rue, hein. Donc c'est droit. Pas forcément, normalement, mais bon. On fera peut-être des petites ruelles tordues après, on verra. Là, c'est plus facile de gérer ça comme ça. Parce que là, je peux pas faire... C'est chiant qu'on soit contraint à ces trucs-là. Qu'on puisse pas faire un truc qui arrive comme ça dessus, et puis c'est tout, quoi. Il y a ces foutus angles-là qui nous emmerdent. Sinon, je fais comme ça. Non, c'est mieux que ce soit droit. Ok. Alors, je disais les plans. Les plans que j'avais trouvés. Donc, il y a... Ça, c'était pas mal, ça. C'était des distributeurs de billets, mais ça n'a rien à faire ici. Les trucs classiques, ils sont où? Là, c'est l'Australie. Ah, il y a celui-là. Voilà, premier bâtiment. Qui est sympa, Bake Shop. Donc c'est un... avec un derrière. Donc ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, genre là. Oui, quelque chose comme ça là. Après ce gros mur en briques, ça fait un peu chelou quand même. On pourra toujours l'habiller, mais donc on a plusieurs bâtiments. On a celui-ci qui est sympa. J'avais trouvé celui-là qui était assez sympathique. Celui-là irait mieux là en fait, presque. Ok, donc voilà. Un carrousel. Ah, ça c'est une attraction qui pourrait très bien aller ici d'ailleurs. Un carrousel, il est pas plat, non, il est pas rond. Un carrousel. Ouais, sur une place, ça ira bien. Là on a une arche. Pareil, sympa, avec une... pour être sympa avec une rue, un truc comme ça. Pour faire une séparation. Il y a des petits buildings, voilà, de déco. Ça, c'est un truc avec deux terrariums dedans, mais au final, ouais, c'est pas ouf ce truc. C'est pas ouf. Oh, le chargement du plan a échoué. Ah zut, celui-là il était bien en plus. Il existe peut-être plus. Si. S'abonner. Il était joli ce truc. Hop. Comment on quitte ce truc déjà? Mage table, non. Ouais. Alors, revenons à nos moutons. Tac, tac, tac. Voilà, celui-là il fonctionne et celui-là il marche pas. Si. Bon. Putain, on enlève un des deux. Voilà. Ça m'a enlevé les deux, je parie. Non, ça va. On a... Wow, on avait un gros bâtiment là. Un gros bâtiment dans lequel il y avait pas mal de choses. Mais bon, c'est un très très gros bâtiment, donc on verra si on le place ou pas. J'avais celui-là aussi. Pareil, qui était assez grand. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ouais, il y avait deux machins. Et là, il y avait quoi? Ouais, il est pas ouf celui-là. Il fait un peu mastoc. J'avais celui-là, qui est un petit bâtiment sympathique. Voilà. On avait des barrières classiques. Assez jolies. Simples, mais modernes. Ou celles-ci, qui sont plus... plus à l'ancienne. Classique, là on avait un bâtiment très classique de... Ça fait plus américain quand même, mais bon. Ça fait classique. Là on en a un autre. Voilà.
une fontaine, une autre fontaine, un petit kiosque qui pourrait très bien aller. Voilà, un bâtiment municipal. C'est très américain quand même, hein, le style classique américain quoi. C'est pas très classique européen quand même, mais bon. On s'en contentera. Là, il y a un, voilà, avec des, on pourrait mettre des boutiques dedans. Ah, ça c'est notre hall de gare. Là on a une fontaine comme ça qui pourrait être pas mal de la mettre par là par exemple. Ça pourrait être pas mal par exemple. Un truc d'information. J'avais quoi? Ouais, une grosse baraque. Grosse baraque. Ok. Un bâtiment pour les soigneurs. Ah oui, il va falloir y penser, ça, cette zone pour les soigneurs, un truc pour les soigneurs. Ça, c'était quoi? Ça, c'était un classic service building aussi. Donc là, il y a les trucs des... à l'intérieur, je crois. Je vais regarder, il me semble, ce truc. Là, on a les trucs, voilà. Donc là, on a l'eau, l'électricité. Attendez, hop, voilà. Là, on a... je sais plus ce que c'est un truc vétérinaire. Là, on a un autre truc, salle de repos. Et là, on en a d'autres. Dont l'accès se fait, je sais pas trop par où. Ah ouais, je sais pas par où il se fait l'accès de ces trucs-là. Ah bah si, par là. Clac. Ah ouais, on a des salles à l'intérieur. Ok, voilà. Donc c'est un bâtiment, il y a pas mal de choses dedans. Pareil, donc dans le style classique. Donc ces trucs-là, ça pourrait être intéressant. Pareil, là on a des petits magasins. Des petits shops. Ça, c'est joli aussi. Faudrait que je trouve plus des bâtiments un peu... Voilà, on avait cette grille là, que je voulais mettre, elle est très très jolie. Hein. Je sais pas comment elle est faite d'ailleurs. Si je l'ai dite. Ah, mais d'accord, c'est juste l'arche en métal, elle existe en fait, toute faite. Elle existe toute faite en fait. D'accord. Ça c'est pareil, c'est des clôtures en cuivre. Ok. Donc en fait, le mec a posté un truc où il n'y a rien. Très bien. Le mec a rien fait. Je croyais que c'était un mec qui avait fait une grille. Donc là, on avait ce bâtiment-là. On avait ce petit truc, c'est sympa. Ça, c'est joli aussi. Les poubelles. Ou le truc de don. Ah ouais, il y avait ça. Ça, c'était stylé. Ça pourrait être bien pour le truc des flamants roses, peut-être. On verra. Donc en fait, il faut mettre de l'eau au milieu. Et après, ça fait un truc, voilà, on peut mettre comme ça, là, par exemple. Hop, on a un chemin à gauche, à droite, et de l'eau au milieu. Attendez, je vais vous montrer comment c'était présenté sur la page du magasin. 45 minutes de vidéo, yes. J'ai rien fait encore, quasiment. Voilà. C'était présenté comme ça, avec de l'eau au milieu. Un canal promenade, voilà. Ok. Voilà, donc on a ce bâtiment-là. Ça, celui-là, il est pas mal. Ça fait classique, mais sans être trop style américain. Ça c'est quoi ça? Il y a quoi dedans? Il y a beaucoup de choses. Staff village. Ok, alors on va enlever ça. Ouais, c'est pas mal aussi. Celui-là il est pas mal, hein, comme staff village. Wouah, celui-là il est trop cool. Celui-là il est trop trop beau. Un peu grand, mais trop trop beau. Bon, j'avais pris des clock towers comme ça, des... Truc comme ça, j'irai peut-être chercher d'autres bâtiments en fait, parce que j'en ai pas tant que ça. J'avais quoi?
Non, ça c'était l'Afrique. Il me semblait que j'en avais plus que ça. Ah oui, ça c'est un village français, donc c'est un truc énorme. Le mec a fait un plan monumental. Moi j'avais juste envie de récupérer le petit village là. Petit village ici là. C'est joli. Le petit village est sympa. Je pense qu'on le mettra quelque part. Oh, le jeu a planté. Non, ça va. Et après, on en avait d'autres. J'avais celui-là. Donc, il y avait celui-là, French Façade. Allô? Voilà. Donc, ça, voilà, ça fait. Mais ça fait vraiment qu'une façade, quoi. Donc, sur les côtés, il n'y a rien. Il y avait celui-ci. Alors, attendez, normalement, je peux me déplacer comme ça, je crois. Si je me mets sur celui-là, que je fais hop, hop, hop. Ouais, je peux quand même le sélectionner même s'il me manque des trucs. Donc là, on a pareil, on a une espèce d'angle de rue. Donc ça, c'est sympa. Ces deux trucs-là, ça pourrait être bien. Mais il faudrait que je trouve d'autres. On a une petite église. Petite. On a une église. Je sais pas trop encore comment m'y prendre, mais j'en avais d'autres des bâtiments. J'avais celui-là. Ah ouais, là il y avait celui-là. Ah, celui-là il est pas mal parce qu'il était traversant, donc on aurait pu faire des trucs pour les soigneurs à l'intérieur. Magasin, c'est quoi ça? Non, du tout. Je crois que j'en avais un autre qui était un peu long comme ça. Bon, après j'avais des. Voilà. Petit café. Un truc multifonction. Celui-là est pas mal. Celui-là est bien. Celui-là il fait le style que je veux. Celui-là là. Celui-là il est pas mal. Il a une belle façade. Bon, il y a de la brique derrière, mais ça c'est pas trop grave. La brique ça fait pas très. Moi j'aurais voulu un truc très parisien, vous voyez. Oh, des petites façades comme ça fait pas du tout, ça fait très, ça fait très très San Francisco. Après c'est pas grave hein. On s'en contentera peut-être. Ah, il y avait celui-là aussi qui était sympa. Celui-là là, il était très joli. Je crois qu'on va s'en contenter hein, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense. Donc, ça fait 48 minutes là que la vidéo elle tourne et on a terminé ce bâtiment et on a fait une route. Bon, si on a quand même délimité là à peu près nos otaries, elles vont être ici. Donc on a dit il y a les otaries. Ensuite il y a les otaries, je vais pas y arriver hein, les phoques. Il y a les loups. Les loups, ça aurait été bien qu'ils faisaient de la montagne un peu. On se débrouillera. Il y a les loups, les flamants roses et les rennes. Donc on va faire quelque chose. Donc là on va faire plutôt des bâtiments ici. Là on va essayer de faire des bâtiments. Là on va faire les otaries. Là on va faire les loups. Ici. Avec les rennes en face. Et là, on laissera un peu vide. On mettra des bâtiments. On mettra un truc des flamants roses là, avec l'espèce de bâtiment comme ça là. 1-1-1. Où c'est qu'il est? Ça. Ça, on le mettra genre comme ça. Et on mettra les flamants roses dedans. On va creuser. Et on mettra les flamants roses dedans. Qu'est-ce qu'ils ont besoin les flamants roses? Flamants roses. Un peu d'eau et du terrain quand même. Après le terrain, ils s'en foutent un peu. En espérant qu'ils peuvent passer dans ce machin.
En espérant qu'ils pourront passer dedans. Voilà, je vois rien. Je ne vois rien. La fontaine là, ouais. Putain, je suis sûr que vous l'avez vu en plus. Moi je le cherche comme un débile. Et je le vois pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, là. Alors, si je regarde, si je mets ça par exemple ici. Ouais, il y a l'air d'y avoir des trucs quand même. Ouais, là, mes flamants roses, ils pourront passer. Ouais, largement. Large. Large, large, large. Très, très largement. Donc ça, je pourrais le mettre quelque chose comme ça. Comme ici, là. Ah, c'est pénible ça quand ça se bloque. Ah, faut que je pense à l'accès des soigneurs. Faut que j'arrive à m'aligner pile poil quand même. Là, je suis pas aligné pile poil. Hein. Ça se joue au pixel près. Hein. Là, ça aligne pile poil. Est-ce qu'on se met par ici d'ailleurs? Parce que faut faire attention que à la limite elle est où? Elle est là. Mes bâtiments sont assez gros quand même. Hein. Ok, bon, je l'ai posé. Fantastique. Ouais, on pourra faire une espèce de montée au bout. Sur un côté. Ça va pas être si ouf que ça finalement. Ce truc. Oh si, on verra. On verra. En tout cas, là, on fera des chemins pour que les gens puissent se promener ici. Là, je voulais trouver un bâtiment moi qui irait bien pour que les gens puissent monter et faire une petite esplanade. Je pourrais reprendre cette façade là. Ça, je pourrais la mettre par là, là. Au niveau de la rue, comme ça. Oh, c'est même pas plat là. Sérieux. Ah putain. C'est même pas plat ici. Ça se voit un peu. Hein. Bon, j'enlèverai de toute façon les pavés là. Ok, donc ça on pourrait le mettre quelque chose comme ça. Vous voyez ici là. Hop. Et puis on aurait. Donc là je dupliquerai la façade pour la mettre de l'autre côté. Et là, dans le café, on enlèvera peut-être café, on mettra autre chose. Ah mais il y a peut-être déjà quelque chose. On fera peut-être une entrée à côté. Peut-être qu'on dupliquera le bâtiment. Ouais, dans le café, il y a déjà des trucs. On va garder le café comme il est. Et on fera. Donc on agrandira la truc là. Dites-moi que c'est qu'un seul plan. Oui, c'est bon. Et ça. Ouais, c'est bon. On agrandira ici un petit peu, on fera une autre entrée avec du coup un escalier à l'intérieur qui donnera ici sur un petit balcon, peut-être un petit peu plus en hauteur pour que les gens puissent voir les otaries d'ici, en plus de les voir d'en dessous et de là-bas. C'est pas mal, hein? C'est une bonne idée. Et ça, on dupliquera derrière pour faire le toit dans l'autre sens.
Hop. Et après, du coup, je mettrai des grosses grilles là, dans le style de ma grosse barrière là, avec les loups ici et les rennes là-bas. Ou là, peut-être. Ouais, remarque là, je vais avoir mes flamants roses, tout ça. Donc là, je pourrais avoir mes bâtiments là, je ferai des petites fontaines, des machins. Ah, c'est pas mal. Ça, on peut peut-être le dupliquer de l'autre côté aussi. Le petit chemin là, ici. Pour que ça fasse le tour. On verra. On a un truc pas mal là. Là, on a un truc qui commence à se profiler pas mal, hein. J'aurais mis du temps à réfléchir à comment je vais y faire, mais c'est pas mal. Bon, 56 minutes, on va peut-être s'arrêter là pour cette vidéo. Donc moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et la prochaine fois on continuera cette partie de notre zoo. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Salut à tous, ciao.